every drop's afraid to fall. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night. Chaque personne vivant sur cette terre a sa propre étoile qui brille dans le ciel. Mais peut-être mesurez-vous, John, mon étoile à moi. Elle ne brille pas comme elle devrait briller. Eh bien, mes amis, en vous levant le matin, est-ce que vous avez demandé à l'aide suprême de la faire briller pour vous? Et face à vos miroirs, est-ce que vous êtes regardé au point de vous accepter tel que vous êtes? Eh bien, le jour où on se regardera dans un miroir et que l'on s'acceptera tel que nous sommes, nous accepterons les autres qui vivent à côté de nous, sans faire de différence de parti politique, de couleur de peau, de religion. Et nous lisons « Someone will come to show the way ». Quelqu'un viendra nous enseigner le chemin. Et mes amis, ce quelqu'un-là, il est venu, il y a 1994 années, dans une humble crèche à Bethléem. C'est celui qui a grandi dans la misère et dans la pauvreté. C'est celui qui a accepté de monter sur une croix pour payer nos dettes. C'est celui qui nous a appris à s'aimer les uns les autres. Car n'a-t-il pas dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé » Et n'a-t-il pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime? Eh bien, lorsque nous aurons compris le sens réel et la valeur de ces simples paroles, puis pour une fois, on se sera mis ça dans le cœur, alors à ce moment-là, on se tendra la main, on se regardera dans les yeux et on dira que réellement, nous sommes devenus des frères. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, plusieurs questions peuvent être posées. Pourquoi tant de drogue? Une génération de nos jeunes allait demander aux parents qui sont malheureusement affectés par ce problème. Aussi, une génération de ces jeunes en train de se détruire par un fléau qui est plus grand que le cancer, qui s'appelle la maudite drogue. Et pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de violence? On ne peut ouvrir un journal le matin sans voir des meurtres, des vols, des viols, des avortements, des vieillards et des enfants qui sont battus sans défense. Mes amis, vous n'avez
n'avez seulement qu'une vie à vivre. Vivez-la pleinement, votre vie, mais laissez vivre les autres qui sont à côté de vous. Et là, vous direz exactement comme moi. Maintenant, je sais pourquoi je crois. John Style, I believe.